Et salut à tous et bienvenue dans cette ouverture de coffret Rachel Légende Brillante. Il y a plein de choses à l'intérieur, une belle carte jumbo. On vous en dit plus à la fin de cette vidéo. C'est parti, ouverture. Alors évidemment, quand on en ouvre un coffret comme ceci, on s'attend à un coffret classique, je dirais, avec quelques boosters et la carte jumbo derrière. Mais là non, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la carte jumbo d'un côté, on a deux cartes promo Pikachu et Raichu GX, on a un petit jeton de Raichu d'Alola, et 5 boosters de Légende Brillante. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que évidemment, il y a Légende Brillante, et donc voilà, c'est une collection que j'ai envie de faire. J'en ai raté un, il me semble que c'est Marchado que j'ai raté, mais voilà. Je voulais faire Raichu parce qu'elle est quand même belle. Le coffret est sorti le 26 ou le 27, je sais plus. Donc moi je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'est parti. On va ouvrir le booster déjà. Et voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors déjà, c'est collé. Voilà, ça on n'a plus besoin. Et alors, on a donc les deux cartes promo qui sont ici. Ah non, Pikachu c'est pas là, d'accord. Pikachu c'est là. De toute façon, Pikachu je l'avais déjà eu. Ouf. Je l'avais déjà eu dans les autres. Donc celle-là. Hop. Raichu d'Alola. Donc full art, mais bon, c'est une promo quoi. Et là, Pikachu. Qui n'est pas une promo mais que j'avais déjà vu dans d'autres boosters. Ok, donc ça c'est pour les deux cartes promo. Le jeton. Si jamais si on joue au jeu de cartes, hein. Moi je suis plutôt mauvais, mais bon. C'est toujours sympa d'avoir un jeton pour commencer la partie. Oui, d'ailleurs je dis jeton, mais c'est une pièce. Hein. La carte jumbo, full art aussi. Qui brille de partout. Elle est magnifique d'ailleurs. Et il nous reste donc 5 boosters. Alors on a Mewtwo, Genesect, Rayquaza. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Par Rayquaza. Je sais jamais avec ce truc. Alors c'est parti avec Gringolem, Voltorb, Crocodile, Bagiguan, Matoufeu, Fil Inferno, Chris, la Super Bowl, Pyrax en reverse, et Latios en holo. Un peu d'énergie, ainsi. Latios, attends, je vais vous montrer d'un peu plus près. Latios avec Latios derrière. Allez, on attaque Genesect. On commence avec Quillfish, Limonde, Bulbizarre, Gringolem encore une fois, Voltorb, déplace dégâts, Spirit Bomb, Electrode, Abo en reverse,
Yveltal en holo. Énergie acier, encore. Yveltal, je crois que je l'avais déjà eu en plus. Continue avec Mew. Badignon, Flamirou, Pyronille, Chacrifan, Négapi, Hyperbole, Léopardus, Pyrax, Zorua, Reverse, et Zekrom en holo. Énergie, plante. On attaque Mewtwo. Allez, Mateau Feu, Chapignon, Dégapi, Pyronille, Chartor, Pyrax, Spirit Bomb, Pèves de Pokémon, Liputu en Reverse, et Palkia en Holo. Continue sur ce dernier booster up de la collection. Champignon, Flamio, Pyrolille, Chacrypan, Crocodile, Léopardus, Double Énergie colorée, Attrape Pokémon. Wow, Florizarre en reverse. Et Oupa en holo. Et c'est tout pour cette ouverture des 5 boosters. Alors pour rappel, voilà ce que j'ai eu dans cette box. Palkia en holo. Latios, avec Latios derrière. Zekrom. Oupa. Et Yveltal. Et c'est sur cette ouverture un peu catastrophique, mais bon, ça va quand même, que je vous laisse, que je vous dis à bientôt. C'était une super carte jumbo. C'est tout ce qu'on retiendra de ce paquet. Et voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine ouverture Pokémon, je sais pas ce qui va sortir encore avec les légendes brillantes, mais c'est la collection que j'ai envie de faire. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous l'avez plu, partager, dites-moi si vous, vous la faites aussi, ce que vous avez eu comme carte, je serais très content de le savoir. Et voilà, donc on finit avec une belle pièce au final de Raichu d'Alola. Allez, à ciao tout le monde.